Conseil des ministres du 22 février, nomination de 4 gouverneurs de région. 4 gouverneurs de région ont été nommés en Conseil des ministres d'hier. Le docteur Guy Ramarsonjatan pour la région Alotamangourj. Il succède ainsi au docteur Richard Mandiamanana, dont la nomination avait été abrogée en 2022. Ngou Elisette Fouminjazan, maire élue de la commune urbaine d'Ambouche, vient d'être promue au poste de gouverneur de la région Ambourmani. Le docteur Clarisse Eugénie Ramanakarsou remplace Tafita Saren Nomenzanahar pour la région Yurmé. Enfin, le gouverneur de Diana, Daoud Aruna Marisk, cède sa place à Tassiano Rakoutoumang. Météo. Retour du climat estival. Après le passage du cyclone Freddy, le bulletin météorologique hebdomadaire annonce un retour au climat estival. Par conséquent, les orages vont persister sur les hautes terres. Un temps nuageux avec des pluies intermittentes est également prévu sur l'ensemble des parties nord et est. Temps globalement sec sur le reste du pays. D'après la météo, Freddy poursuit sa trajectoire vers l'ouest dans le canal de Mozambique et s'est de nouveau intensifié en tempête tropicale modérée. À 9h locale, son centre se trouvait à 361 km au sud-sud-ouest de Morumbe. Le vent moyen est estimé à 65 km à l'heure avec des rafales de 90 km à l'heure autour de son œil. Le système se déplace à une vitesse de 19 km à l'heure en s'éloignant progressivement des côtes malgaches. Maladie dermatologique animale, 469 zébus atteints dont 1700 morts. Des maladies animales se propagent depuis peu dans les districts d'Ansiran, d'Ambanz et de Nousebe en région Diana et dans le district de Nousvark en région Vatvav. 469 zébus sont atteints par une maladie subite qui se manifeste par d'importantes éruptions cutanées. 17 d'entre eux sont morts pour cause de prise en charge tardive. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage soupçonne une dermatose nodulaire ou une dermatophilose qui se contracte et se transmet par des piqûres d'insectes. En région Vatvenane, si le ministère attribuerait la maladie à une épidémie de fièvre de la vallée du Rift, dans l'attente des résultats des tests, des techniciens du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que du ministère de la Santé publique ont été dépêchés sur place pour tenter de déterminer avec précision la nature de ces maladies qui affectent le bétail et de venir en aide aux éleveurs.